Déjà au collège, peut-être à l'école. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et vous écoutez votre radio sur 95 FM, radio ici et maintenant. Et c'est David Abassi qui est avec vous, comme tous les derniers samedis du mois et premier samedi du mois. Nous sommes déjà dernier samedi du mois et nous sommes là ensemble. Vous avez la parole, comme vous le savez. Et dès maintenant, vous pouvez commencer à intervenir sur 95.2 FM. Ce radio, vous savez, existe depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Mois de juin, encore une autre année de plus pour la radio ici maintenant. Et le temps passe vite et nous sommes là, vous êtes là, et ici et maintenant, on est là. Grâce à Didier Deplège, mon ami de 35 ans. Vous avez la parole. Il a fondé cette radio avec son cœur, on peut dire. Le cœur ouvert. 08 92 23 95 20. Vous avez la parole et je vous écoute. Ici et maintenant. T'as raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Retrouvez l'émission animée par David Abassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2. Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. J'arrête quand je veux. Voilà, vous savez, c'est le numéro que Michel vient de composer, 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Vous aussi, vous pouvez prendre le combiné de téléphone, appelez-nous. Nous sommes la nuit du 27 mars 2021. Et ce soir, cette nuit, comme vous savez, nous sommes obligés d'avancer du nord. Mardi, c'est la dernière fois qu'on va faire ça, j'espère. Parce que j'en ai marre de changer l'heure. Toutes mes émissions. Diffusion internationale, bien sûr, ça pose des problèmes. Et puisque je ne travaille pas pour l'argent, je travaille gratuitement, mes émissions en arabe, en persan, en français, et chaque fois quand il y a un décalage, ça me pose des problèmes. Je ne sais pas pour toi, Michel, si ça pose des problèmes ou non. Bonsoir, Michel, comment vas-tu? Moi, je ne suis pas pour les complications. L'heure, c'est-à-dire, ne devrait pas être changée comme ça à chaque saison, c'est... Comment dirais-je, bah oui, c'est vraiment plutôt gênant que qu'autre chose, voilà.